centres à rayonnement régional où il y a dans les quatre régions, les derniers chiffres que j'ai vus, hein, peut-être ça a changé, ça a peut-être augmenté, mais ce n'est pas de beaucoup, il y avait 1600 personnes. Un bâtiment avec une conception thermique, primé en 2016, par une mention spéciale pour son architecture, pour sa façade, primé pour le projet avec auditorium, avec des archives, avec des salles de travail, une section jeunesse, un espace musique, animation jeu, tout ça gratuit. Et la dernière fois, je voyais une Saint-Pauloise indignée qui me dit qu'elle, elle a sa fille qui a besoin de travailler. Vous voyez vous-même, vous êtes tous, vous voyez, lorsque les enfants passent le bac et ils envahissent toutes les bibliothèques pour aller travailler. Et cette bibliothèque et cette médiathèque, elle aurait été, vous le savez, ouverte le samedi, le dimanche. On me parle aujourd'hui, il dit, ben oui, le fonctionnement serait coûté trop cher. Vous savez, moi j'ai entendu dernièrement, il y a eu un investissement de 1 million. Nous, on l'avait calculé lorsque l'on y était. 1 million, eh bien, 1 million pour 15 000 personnes, alors que nous, je ne vous dirai pas quel projet, mais 1 million pour 105 000 Saint-Paulois, on a trouvé que c'était trop. Et, Monsieur le Président, il me semble, vous allez me dire si c'est vrai ou si ça n'est pas vrai, que l'on interdise de prendre des photos des fresques qui se trouvent dans la médiathèque, cette médiathèque payée par les Saint-Paulois, ces magnifiques plafonds, vous allez me dire que c'est devenu maintenant le centre à rayonnement régional. Qu'allez-vous faire, puisque vous ne voulez pas que l'on prenne les photos de ces œuvres d'art, ces illustrations d'un livre, ce travail réalisé par Michel Batory autour du thème des médias, autour du thème de la Réunion? De quel droit on interdit cela? Dans quel pays on veut nous faire vivre en interdisant cela? Pourquoi jamais on n'a parlé de la fonction de ce bâtiment, de ce que cette fonction apporte? Quelle erreur historique de n'avoir pas reconnu la fonctionnalité de ce bâtiment. L'objectif était bien d'avoir aussi cette participation, cet instrument pour contribuer, pour ces 116 000 personnes, ces 120 000 illettrés, pour que nous ayons, c'est une contribution pour que nous ayons une jeunesse éclairée, un peuple éclairé. Vous avez dit, je vous ai entendu, Monsieur le Président, mais regarde, ah, quand on cause la télévision, mais écoute que ça vous dit. Et à propos des élections américaines, je vous ai entendu dire combien votre préférence, et moi aussi, la mienne aussi, vous n'en doutez pas, c'est Obama, dans ce pays, cette grande démocratie américaine, eh bien, et qui a fait l'admiration des progressistes de tous les pays, ce peuple qui a par deux fois mis en place un président noir. Vous savez ce que Barack Obama a dit à l'occasion d'un drame qu'il y a eu dans ce grand pays qu'est les États-Unis? Et il a dit, nous devons nous occuper de nos enfants. Si nous ratons cela, nous ratons tout. Et là, vous êtes complices d'un acte très grave. Pour 100 000 habitants, on a fait une médiathèque gratuite. Et vous allez mettre cela à la disposition, à une disposition payante pour 600 à 800 personnes. En quoi? Je vous entends parler. À vous entendre parler, vous êtes pour les petits. En quoi cela favorise les petits? Monsieur, les Réunionnais vous regardent. L'histoire vous jugera, monsieur. Très bien, merci, Madame Bélo. J'essaierai de répondre un peu plus tard. Madame Vitry, Fawzia Vitry, ensuite Madame Coste, Madame Rivière. Oui, merci, Monsieur le Président. De manière générale, je suis de celles qui pensent que pour savoir où on veut aller, il faut d'abord savoir d'où l'on vient. Et je vous invite à faire cet exercice. Prenez le temps. Regardez ce qu'était la posture, la vision de la coopération régionale avant 2010 et après 2010. Vous aurez une vision plus juste de ce que c'est que la vraie coopération régionale. Jusqu'à là, après avoir passé le temps à inculquer la valeur Europe à nos enfants, à ma génération, à qui on a fait croire que notre avenir ne pouvait se dérouler qu'en Europe et à Paris. En 2010, le président de la région Réunion arrive et nous parle de co-développement économique gagnant-gagnant, nous parle de posture gagnant-gagnant, d'ouverture à l'international et à la zone océanienne, d'amener nos jeunes
dans l'océan Indien, dans l'international, et c'est devenu un phénomène de mode. Oui, vous êtes depuis le début de l'année en train de raconter les mêmes propos, les mêmes remarques. On les a entendus hier, on les a entendus aujourd'hui, on les entendra le 19 décembre et dans début 2017, lorsqu'on votera le rapport d'activité 2016, vous allez encore nous ressortir la même chose. Mais nous, on fait, que vous le voulez ou non, on agit. Vous voulez quoi ? Qu'on demande aux entreprises de venir vous chercher pour que vous allez certifier le service fait de leur entreprise ? Qu'on vous amène leur certificat de CABIS ? Qu'on vous donne les CV des jeunes qu'on accompagne ? Non. Pour citer que quelques exemples, parce que même si je vous amenais un livre de 50 pages, vous serez toujours dans la même posture. Sur juste un seul objectif thématique. En quelques mois, en 6 mois, on a mobilisé plus de 2 500 euros pour les entreprises. On a doublé les VSI. On a accompagné des jeunes dans les recherches la recherche de leur master et de leur doctorat. Mais peu importe ce qu'on fait, ça vous est égal. Vous êtes dans une posture de négativité et vous continuez comme ça. Tout à l'heure, vous parliez de la motion sur Mayotte. Aujourd'hui, vous considérez le président de la région Réunion comme un Avengers qui doit s'immiscer dans tout, qui doit aller travailler à la place du préfet de Mayotte, qui doit aller travailler à la place, indiquer aux communautés de communes ce qu'ils doivent faire. Il doit tout faire. C'est un super héros. Non, c'est juste un homme avec de la volonté. Un homme avec la volonté. Je veux juste prendre un exemple. Je ne suis pas là pour vous donner des détails, mais un exemple sur quelque chose que je considère comme étant vraiment révélateur de la posture que nous avons de la coopération régionale. Parce que c'est une première pour toute une population. Une entreprise rayonnaise, bientôt, ira aux Comores pour la desserte urbaine. Des bus d'une entreprise rayonnaise aux Comores pour servir Moroni. Vous imaginez, il y a des hommes et des femmes qui montent dans un bus pour la première fois. Oui, c'est peut-être banal pour vous, mais c'est important. Ça démontre ce qu'on doit faire en coopération régionale. Faire travailler nos entreprises, faire gagner les pays d'à côté, tout le monde trouve sa place, c'est ça la vraie coopération. Alors c'est vraiment malheureux que vous estimez que le fait d'aller dans les pays de l'océan Indien promouvoir son île, laisser ses enfants, que ce soit les élus, les administratifs, lorsqu'on part en mission, on laisse nos familles, nos enfants, parfois même on rate la rentrée scolaire de nos enfants, pour, vous allez me dire, c'est un choix qu'on a fait, oui, c'est un choix qu'on a fait, parce qu'on veut apporter notre pierre à l'édifice pour bâtir cette société rayonnaise, notre île. Et vous vous arrêtez qu'à ça, au fait qu'on a pris l'avion, qu'on a abandonné ses enfants, qu'on est parti promouvoir la Réunion, vous arrêtez. C'est vraiment malheureux. Je trouve ça dommage. Alors que vous le voulez ou non, depuis 2010, la majorité de Didier Robert a pris la rue de ceux qui essayent. Aujourd'hui, en 2016, nous sommes, comme disent les Africains, dans le boulevard des faiseurs. Alors, comme disent les Africains, le sein les coumins. Et moi, j'ai envie de faire une petite remarque à Monsieur le Président. Monsieur le Président, il va falloir que vous m'expliquiez votre secret, parce que, a priori, vous avez un secret. J'ai cru comprendre qu'en 2015, votre bilan n'était pas à la hauteur, que vous avez déçu les Réunionnais. Et pourtant, en 2015, les Réunionnais vous ont à nouveau donné leur confiance et vous ont permis de vous asseoir sur cette chaise. Mais quand j'entends les propos, je comprends pourquoi. Quand j'entends vos propos tous les jours, à chaque fois qu'il y a une commission ou qu'il y a une séance plénière, quand je vois la posture de Madame Bello, quand je vois qu'elle, a priori, elle a envie. D'ailleurs, j'ai personnellement hâte de voir ça. J'aimerais bien vous voir apprendre à l'océan Indien, au monde, comment faire la coopération régionale par téléphone et par télépathie. Ça serait intéressant de voir ça. Mais je comprends pourquoi la Réunion, les Réunionnais ne vous ont pas fait confiance, ne vous ont pas permis de vous asseoir là-bas. Merci. Pardon, excusez-moi. Merci beaucoup de cette intervention, Madame Coste et Madame Rivière. Je ne sais pas s'il y a d'autres prises de parole. Je vous en prie. Merci, Président. Donc, je vais continuer juste un petit mot sur la coopération régionale pour répondre à la question sur le sommet de la francophonie à Madagascar, qui est effectivement réellement important, parce que la francophonie, c'est des hommes et des femmes qui se parlent, d'une part, mais aussi, d'autre part, c'est une possibilité d'un développement économique, on le sait, facilité. Donc, c'était extrêmement important, évidemment.
l'île est voisine, l'île de Madagascar est voisine, la francophonie nous intéresse au premier chef de pouvoir être présent, et nous avons demandé la possibilité de le faire via l'Association des régions de France, puisque c'est le Quai d'Orsay, vous le savez, qui gère ce dossier au sommet de la francophonie. Ce sont des États qui sont présents, et donc nous avons demandé d'être dans la délégation du président de la République française. À l'heure où on se parle, il n'y a pas de réponse, aucune réponse n'a été donnée, mais on sait qu'il y aura une très petite délégation de l'ordre de 10 personnes. Donc je ne suis pas sûre que les régions de France, au sens large du terme, dont la région Réunion, pourra être présente. Ça, c'était une première chose, et pour élargir un petit peu le propos, ça reste un réel problème, vous le savez, dans le cadre de la coopération décentralisée, de ne pas pouvoir, en tant que région, pouvoir... avec nos pays voisins, et c'est le cas là, par exemple, sur le sommet de la francophonie, c'est un bon exemple, pouvoir juste être voisin et dire que c'est aussi un bassin de peuplement et dire qu'on devrait pouvoir travailler infiniment plus simplement que ça avec nos voisins, et que bien sûr on est conscient que la diplomatie est quelque chose de tout à fait sérieux, mais que la diplomatie décentralisée, elle doit exister, elle doit être aussi démultipliée par la voie des régions, et notamment des régions de l'Indienne-Océanie. Donc oui, nous sommes très vigilants sur ce dossier, mais j'ai peur que le gouvernement ne nous donne pas une réponse favorable à notre souhait de pouvoir participer à ce sommet de la francophonie qui se tient à nos portes, effectivement. Voilà, ça c'était une réponse sur ce dossier-là. Puis je voudrais répondre à Madame Nativelle sur le sujet des rapatriement sanitaire, qui est un sujet douloureux, vous le savez, qui nous tient particulièrement, auquel on est extrêmement sensible. Donc effectivement, il y a trois acteurs en la matière. La Caisse de Sécurité sociale qui décide d'un rapatriement sanitaire ou non pour un enfant ou un adulte. Le Conseil général qui a mis en place un pack d'accueil à l'arrivée de la personne en métropole, qui comprend un téléphone portable, une possibilité d'hébergement, etc. Et puis bien évidemment la région Réunion qui va donner une aide autant de fois que nécessaire à l'accompagnateur non pris en charge par la Caisse de Sécurité sociale, parce que ça c'est des lois nationales auxquelles on ne peut pas déroger, qui va prendre aussi en charge la fratrie. Parce que c'est extrêmement compliqué dans une famille, lorsqu'un enfant est touché, par exemple, de l'isoler de la fratrie. C'est traumatisant pour le reste de la fratrie aussi que d'avoir un frère ou une sœur qui est malade. Donc nous servons les aides autant de fois que nécessaire, bien évidemment, en collaboration, ces trois structures ensemble. Alors peut-être il y a eu un raté, ce qui a fait que vous avez entendu sur Freedom peut-être les gens en parler, mais Bobby souvent nous renvoie. C'est très pragmatique ce que je dis là. Et puis vous, bien sûr, si vous êtes au courant, n'hésitez pas à nous contacter, et de façon tout à fait informelle, parce que Dieu soit loué, ce sont des cas qui sont quand même très rares. À ce moment-là, les trois institutions, donc la Caisse de Sécurité sociale, le Conseil général et le Conseil régional, bien évidemment, se mettent ensemble pour accompagner ces personnes-là qui sont déjà effectivement dans de grandes difficultés morales et financières parfois, ce qui aggrave encore les choses. Voilà. Merci Madame Coste, Madame Rivière. Ensuite, Monsieur Louis-Bertrand Gondin, Madame Coipel-Sauré. Je vous en prie. Ah, merci Monsieur le Président. C'est ma première séance plénière aujourd'hui. Je n'ai pas trop la culture des dossiers. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais savoir si je pouvais faire partie d'une commission afin d'apporter ma contribution pour l'intérêt général. Je voudrais... Par contre, je voudrais intervenir, faire deux petites remarques. Une, ça concerne les casaliers. Ma collègue est intervenue. Et je voudrais juste donner un exemple sur ma commune de la Possession, où le bâtiment est fermé du lundi au dimanche, sauf le jeudi épisodiquement. Et la solution peut-être de faire porter le projet par une association, c'est peut-être la bonne. Mais est-ce qu'il ne faut pas exiger un véritable partenariat avec tous les organismes existants qui côtoient le public, tels que le CCS, les communes, la MIO, l'Éducation nationale, le Pôle emploi, toutes les associations existantes sur le territoire, les personnes âgées, etc. Parce qu'on sait que toutes les personnes qui ne savent pas lire ont honte de leur situation, et il faut un véritable accompagnement social de la personne en difficulté, et pour cela, il faut des spécialistes. En ce qui concerne ma deuxième intervention, c'est une demande, mais j'avoue que c'est une demande un peu naïve, puisqu'elle concerne le SAR. Et
je pense qu'il est indispensable de maintenir dans leur vocation tous les espaces de continuité écologique qui ont été identifiés dans le schéma approuvé en 2011 pour 10 ans. Et je veux parler aussi de la carrière des Lataniers, qui forme un véritable corridor écologique. Alors déjà, au niveau de l'enquête publique sur la route du littoral, la population n'avait pas eu accès à l'étude d'impact de l'analyse de l'extraction et du transport des matériaux. Et je me dis aujourd'hui, modifier la zone espace de continuité écologique sur un site non inscrit au schéma départemental des carrières pour extraire des roches massives continuerait à donner l'impression de tromper la population. Le troisième petit point, mais là c'est vraiment, je ne sais pas si on pourra me répondre aujourd'hui, c'est en ce qui concerne le secteur de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Est-ce qu'on pourrait avoir le bilan détaillé des aides individuelles? Je veux parler du chèque formation réussite, le compte personnel, la formation des demandeurs d'emploi, ainsi que les critères d'attribution, mais je suppose que ça c'est en commission. Merci. Très bien, merci beaucoup de votre intervention. Monsieur Louis-Bertrand Grondin, s'il vous plaît. Oui, donc je voulais venir en complémentarité des propos tenus par mon collègue David Lorion pour apporter un éclairage au sujet donc, de l'élaboration de la carte des formations professionnelles qui semblait être mise en cause par Mme Bello et juste lui donner un peu la méthodologie dans laquelle nous travaillons. Nous avons une seule stratégie aujourd'hui qui nous guide pour son élaboration, c'est une adéquation entre les besoins de formation et le besoin des entreprises en tenant compte de trois temporalités qui pour nous sont le juste à temps, la réponse formative juste à temps court terme, une anticipation sur le moyen terme par rapport au projet que nous portons et les prospectives long terme sur les projets et les structures de branches que nous considérons comme étant celles d'avenir pour le futur. Je voudrais donc rappeler donc à Mme Bello que tous nos programmes de formation font l'objet aujourd'hui d'une co-élaboration avec les acteurs économiques à travers notamment des accords cadres que la région a signés avec les partenaires sociaux et les partenaires économiques et aussi d'une consultation systématique des branches professionnelles. Madame Bello, savez-vous aujourd'hui combien d'accords cadres nous avons sur notre territoire à l'île de la Réunion? Peut-être pas, donc je vais vous les donner en tous les cas. Donc sur le secteur du BTP, nous en avons un. Sur l'hôtellerie, la restauration et le tourisme, nous en avons un. Dans l'optique, la lunetterie, nous en avons un. Dans le transport logistique, nous en avons un. Et nous sommes en phase de finalisation dans le secteur automobile et du numérique. Donc, Madame Bello, quand vous critiquez aujourd'hui nos choix donc, sur les orientations de la formation professionnelle, vous critiquez aussi donc, les accords que nous avons et les choix communs que nous portons avec les acteurs économiques de notre territoire. S'agissant de la sécurisation donc des parcours au bénéfice des bacs pro et techniques, M. Lorion a abordé le sujet, mais je permettrai de vous lire l'avis du CCE, puisque a priori vous ne l'avez pas lu. Donc je vous le lis in texto. Donc afin d'éviter les orientations par défaut, la Commission souscrit à l'engagement de la région de développer une offre de formation supérieure complémentaire à celle dispensée par l'établissement universitaire pour sécuriser les parcours des bacheliers issus des filières professionnelles et technologiques. Donc, comme le disait M. Lorion, aujourd'hui, c'est plus de 5 BTS qui se sont ouverts pour répondre à cette problématique. Et nous avons, madame, bon, je ne vais pas vous apporter les chiffres de tout ce que vous avez demandé, mais je me tiens à votre disposition pour avoir un moment d'échange avec vous pour apporter ces éléments-là. Mais en tous les cas, sur l'apprentissage, c'est plus de 9 formations dans le supérieur qui ont été ouvertes sur l'année 2016 pour être en complémentarité avec l'offre de l'éducation nationale, dont une formation spécifique sur le supérieur et le numérique. Voilà, merci Président. Très bien, merci beaucoup M. Bertrand Grondin, Mme Fabienne Coipel-Sauré, ensuite Mme Murin, Mme Nathalie Noël-Cadet. Merci Monsieur le Président. Quelques brèves et dernières nouvelles du SAR, le schéma d'aménagement régional. J'ai compris que ça préoccupait pas mal d'élus de l'opposition, peut-être parce qu'en effet, nous avons eu l'occasion d'en débattre en commission sectorielle, mais nous n'avons peut-être pas donné suffisamment d'informations à l'ensemble des élus. Donc permettez-moi très rapidement de vous dire que nous avons en effet rencontré Madame Vessur, la conseillère d'État, au mois de juin. Donc j'étais présente, bien sûr, je conduisais la délégation composée d'agents de la direction aménagement.
de la région, et nous étions accompagnés par la DEAL locale, avec laquelle nous avons beaucoup travaillé depuis presque 2 ans, pour la modification du schéma d'aménagement régional. Et je vous avouerai que cette rencontre s'est très bien passée avec la conseillère d'État, que nous ayons étions très très confiants jusqu'à ce que la DHUP, donc cette haute administration centrale, la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, ne vienne contrecarrer, je veux dire, l'évolution normale du dossier. Il est vrai, Monsieur le Président, nous en avons de multiples exemples, mais là c'en est un. Nous savons que le gouvernement actuel n'a eu de cesse de ralentir certains dossiers, gouvernement d'ailleurs que vous avez toujours soutenu, n'a eu de cesse de ralentir certains dossiers, et celui-ci particulièrement. La conseillère d'État nous avait indiqué qu'on allait aboutir et qu'avant la fin de l'année 2016, donc de cette année, nous aurions eu effectivement le décret validant les modifications que nous souhaitons. Malheureusement, la DHUP en a décidé autrement et aujourd'hui, elle nous demande d'engager une évaluation environnementale. Ce qu'elle nous a indiqué, il y a en totale contradiction d'ailleurs avec ce qu'elle nous indiquait, cette DHUP, il y a un peu plus d'un an, elle nous indiquait que l'évaluation environnementale du SAR et des modifications projetées n'étaient absolument pas nécessaires, et aujourd'hui elle nous dit exactement le contraire de ce qu'elle nous a soutenu. Ça va nous faire perdre un an. Ça va nous faire perdre un an. Maintenant, on est tous conscients et pragmatiques. La plupart d'entre nous, nous souhaitons une alternance en 2017, que nous espérons de nos voeux. Et à partir de là, je pense que nous serons un peu plus entendus auprès des administrations centrales, dans les ministères, et que même si nous n'allons pas jusqu'à la modification du SAR, nous pourrons bénéficier d'un nouveau schéma prescriptif et directeur, ce que l'on, là encore, on nous a refusé. Le SAR a atteint ses limites. Il a atteint ses limites, nous devons passer à autre chose, justement pour mieux intégrer la dimension économique et aussi la dimension environnementale. Bon, on doit passer à autre chose. Les modifications que nous souhaitions ne peuvent pas toucher à l'économie du document SAR, sinon effectivement on serait plutôt dans la révision. Il faut savoir que l'administration centrale, elle tâtonne. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a jamais, un SAR n'a jamais été modifié jusqu'à présent. Il a fait l'objet d'une révision, mais il n'a jamais été modifié. C'est la première procédure que les administrations centrales ont à analyser. C'est la première procédure de modification. Donc, effectivement, ils ont commis des erreurs qui, malheureusement, nous ralentissent dans notre action. Donc, ce SAR, si nous n'arrivons pas à le modifier, comme il faudra de toute façon, dans quelques temps, engager une procédure de révision parce que ce SAR a atteint ses limites, eh bien, je pense que nous aurons d'ici là une meilleure écoute auprès de Paris et des hautes administrations, et que nous pourrons envisager un autre schéma, le SRADET, ou un autre qui pourrait s'appeler autrement, mais qui serait beaucoup plus intéressant pour le développement de la Réunion et qui collerait justement à nos réalités, nos spécificités et à nos souhaits. J'en termine, juste un élément d'information aussi. Alors, je ne vais pas vous parler transport, déplacement, parce que je pense que ça va faire l'objet d'un prochain débat. Je vais juste apporter une réponse sur les déchets. Je ne sais plus qui l'a posé d'ailleurs. Oui, Madame Gobalou. Oui, alors, la loi NOTRe, effectivement, août 2015, elle prévoit le transfert de compétences jusque-là exercées par le département vers la région. Vous le savez, il s'agit des déchets et des transports. Après cette loi, il a fallu attendre les décrets d'application. Ils sont arrivés. Et puis, il a fallu effectivement que la commission locale d'évaluation des charges et des ressources transférées se réunissent sous la présidence de la Chambre régionale des comptes et qu'elles trouvent un accord, que les deux collectivités trouvent un accord, département et région, sur ces charges et ces ressources qui seront transférées. Ça y est, nous avons trouvé cet accord. Nous nous sommes réunis plusieurs fois. D'ailleurs, certains de mes collègues qui étaient à mes côtés dans cette commission. Et nous avons pu, avec les élus du département, et nous avons pu trouver un accord sur le montant à affecter pour la compétence transport et également les moyens, on va dire, matériels et humains à affecter sur la compétence déchets. C'est la raison pour laquelle, maintenant, nous allons pouvoir pleinement assumer cette compétence. Mais aujourd'hui, elle ne l'est pas encore. Ce n'est pas possible. Il fallait attendre ces différentes procédures, ces différents transferts.
Donc je pense aussi qu'on aura l'occasion d'y revenir, puisque dans un mois, Monsieur le Président, vous nous avez annoncé une assemblée plénière et que nous allons devoir envisager le budget, et que forcément, puisque ces compétences ont été transférées à la région, eh bien il faudra aussi bâtir, construire les budgets qui vont avec ces nouvelles compétences. Donc je pense que ce sera l'objet d'un autre débat. Et puis bien sûr, moi je me tiens à votre disposition si vous voulez avoir d'autres éléments sur la thématique transport-déplacement. Merci. Merci beaucoup, Madame Jaffamiel, Madame Aline Waroumurin, Madame Noël Cadet, Monsieur Stéphane Foissin, je vous en prie, c'est noté. Merci, Monsieur le Président. Madame Bello, je comprends votre nostalgie. Mais pour rappel, les électeurs de Saint-Paul vous ont mis hors de la mairie et ils ont pris leur décision sur le choix de cette médiathèque ou pas. Et d'ailleurs, vous les avez remerciés en laissant votre poste de conseiller municipal. Je vous comprends. Bref. Sachez quand même que ce bâtiment, qui s'appelle Simandef, il est dédié à la culture. Je pense que vous connaissez bien le territoire de Saint-Paul, Madame Bello. Je pense que vous étiez au courant que depuis plus de 25 ans, bientôt, il y avait des locaux inadaptés et très insuffisants en termes de surface pour permettre une pratique artistique dans des conditions satisfaisantes. Et que ce nouveau CRR occupera, vous l'avez dit, une majeure partie des locaux du Simandef pour offrir des locaux de qualité pour la pratique de la musique et de la danse. 600 à 800 élèves. Et cette implantation de ce CRR répond aux besoins du CRR et à ses missions fondamentales concernant la formation, la diffusion et la création. Ce CRR permettra également le développement des missions de centre de ressources du CRR. Et nous avons également en projet un centre de littéraire régional. Et que cette politique culturelle de la région sur le livre et la lecture permettra de soutenir, Madame Bello, et d'accompagner et de valoriser la création littéraire et l'économie locale du livre, et de favoriser la rencontre entre les auteurs et le public, et de développer la connexion entre tous les maillons de la chaîne du livre. Et nous souhaitons également que ce centre littéraire soit un espace ouvert à tous les publics propices aux rencontres, aux échanges autour de l'écriture et de la lecture d'ici et ailleurs. Et ce CRR accompagnera également, comprendra également le pôle régional de musique actuel. Ce que je voulais aussi également rajouter, c'est qu'actuellement, nous avons une belle exposition autour des histoires cubes. Au jour d'aujourd'hui, plus de 3000 visiteurs. Et parmi ces visiteurs, nous avons plusieurs types de publics, des jeunes enfants, des adultes, également un public qui rencontre des difficultés avec la lecture. Nous avons également des élèves des écoles de la deuxième chance, des classes, des centres aérés, et également nous accueillons aujourd'hui un public porteur d'handicap. Je souhaiterais également vous faire passer un message, Madame Bello. Vous savez que régulièrement, nous sommes embêtés par des détracteurs du collectif Simandef qui viennent harceler le personnel et les visiteurs de l'expo. Je pense que là, vous avez peut-être un rôle à jouer. Laissez-nous travailler correctement, laissez les enfants découvrir ce qui se passe au sein de CRR, et je peux comprendre votre nostalgie, et d'ailleurs peut-être pour ça que vous avez laissé les bancs de la mairie. Je vous remercie. C'est un argumentaire. Merci, Madame Bello. Madame Bello, je vous en prie. C'est misérable. C'est une misérable. Madame Noël Cadet, s'il vous plaît. Madame Noël Cadet, qui a demandé la... Nathalie Noël Cadet, qui a demandé la parole. Je vous oui, en prie. Merci, Monsieur le Président, de m'accorder la parole. Donc, je vais répondre à Madame Gobalou par rapport à votre question sur le plan régional de prévention et de gestion des déchets, puisque depuis le mois d'août, je peux en fait avoir l'occasion de défendre ce dossier, puisque j'ai eu comme délégation l'économie circulaire et les déchets.
Donc, par rapport effectivement à la mise en place de ce plan, il faut savoir que, comme l'a indiqué Madame Coipel, il y a eu effectivement du retard par rapport aux régions de France. Mais ce retard, effectivement, il faut voir qu'au niveau de la Réunion, nous sommes régulièrement en collaboration avec, avec l'Association des régions de France. La Réunion n'accuse pas un retard considérable par rapport aux autres régions, puisque depuis le mois de juin, nous avons pu, au niveau de la région Réunion, voter cette passation entre le département et la région. Il faut savoir qu'un bon nombre de régions de France n'ont pas encore passé cette étape. Donc, depuis le mois d'août, je me suis saisie donc de ce dossier. Avec les administrations, nous travaillons sur la mise en place de ce plan avec une méthodologie qui est simple, hein, qui est en accompagnement avec l'ADEME. Donc l'ADEME va nous accompagner sur l'écriture donc, d'un code REC, donc la mise en place en fait d'une procédure qui va permettre de d'écrire ce plan en collaboration avec les différents partenaires. Donc c'est à la fois les intercommunalités, les syndicats mixtes, des représentations de la société civile. Donc différents partenaires que nous devons sélectionner pour l'écriture de ce plan. Et l'écriture de ce plan est prévue pour, enfin la fin, la présentation de ce plan sera faite pour décembre 2017. Donc c'est normalement, effectivement, l'État nous avait mis cette, on va dire, cette prérogative d'écrire ce plan pour février 2017. Aucune région de France n'est prête pour l'écriture en fait de ce plan en pour février 2017. Donc on a effectivement porté un recours de manière à ce que on puisse écrire ce plan pour décembre 2017. Donc concernant le plan va mettre en avant l'économie circulaire comme, comme un élément permettant le traitement des déchets. Donc voilà, si je puis, j'espère avoir apporté des éléments par rapport à votre question. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Foissin, Monsieur Fournel, Monsieur Olivier Rivière, Monsieur Virapoulet, vous avez la parole. Madame Bassir ensuite. Monsieur le Président, mon intervention sera très courte. Je voudrais juste répondre sur les attaques de Madame Bello concernant la signature de l'IRT. Sachez que quand même l'île Intense, c'est une signature qui est ancienne, certes, mais qui est restée dans l'inconscient collectif de la population, puisque 80% des Réunionnais interrogés sur l'île de la Réunion annoncent, comme on dit pour l'île de beauté, la Corse, l'île au parfum pour Mayotte, pour la Réunion, c'est l'île Intense et c'est resté dans l'inconscient collectif. Mais nous avons décliné l'intensité de l'île de la Réunion sous différentes formes, pas comme c'était fait auparavant, puisque auparavant c'était surtout les sports de nature qui étaient mis en avant. Aujourd'hui, nous mettons en avant l'intensité de notre culture, nous mettons en avant l'intensité de notre nature, l'intensité du vivre ensemble, l'intensité du spectacle que la Réunion procure aux différents touristes qui viennent sur notre territoire, le rouge du volcan, le vert de la nature, le bleu des lagons, Madame Bello. Donc, je pense que vous avez survolé un petit peu la feuille de route de l'IRT, mais je vous invite à la regarder. Nous sommes allés plutôt sur le tourisme expérientiel, car quand un touriste vient à La Réunion, s'il vit une expérience, il va ensuite la donner à ses amis, la faire vivre à ses amis, et il va inciter ainsi à devenir un ambassadeur de La Réunion et ainsi augmenter le nombre de touristes. Je voulais vous rassurer sur le nombre de touristes, Madame Bello, puisque même si nous avons eu une petite baisse au premier semestre de cette année, nous avons une augmentation sur toute l'année à la fin décembre qui sera de 8%, qui est maintenant une belle augmentation pour une nouvelle mandature. Merci, Madame Bello. Merci beaucoup. Dominique Fournel, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président, je ne sais pas s'il faut encore revenir sur un sujet qui, je vois, intéresse beaucoup de collègues, celui de la route du littoral, hein, puisque de nombreuses contributions ont été apportées sur la route du littoral, mais je veux quand même rapidement faire un petit point, un peu dans le désordre, comme l'a fait Madame Nabeneza tout à l'heure en posant des questions. Voilà. Alors, s'agissant de Madame Bello, qui semble critiquer le montant
Le montant de ce projet est 1,660 milliards d'euros. Je voudrais déjà lui rappeler que sur cette somme-là, environ 700 millions d'euros sont des subventions directes. Le complément étant assuré par la région et après avoir négocié des prêts importants et très intéressants auprès de la BEI et de la Caisse des dépôts et consignations. Après, la seconde question, interrogation qu'on peut avoir, Madame Bello, c'est peut-être la vôtre, est-ce qu'on aurait pu se passer de cette route du littoral ? Est-ce qu'on aurait pu ne pas faire la route du littoral ? Je ne sais pas si c'est votre point de vue. En tout cas, ça n'était pas le point de vue de la mandature du temps de M. Vergès, hein, puisqu'il était prévu, je vous le rappelle, de réaliser non seulement un tram-train qui est mort de sa belle mort faute de financement, mais également une nouvelle route du littoral, hein, qui aurait été moins importante que celle qui est réalisée, puisque celle que nous réalisons permet d'assurer les transports en commun. Cette nouvelle route, ce projet de route du littoral, vu en son temps par l'équipe de Paul Vergès, je vous rappelle, il date de 1998, je crois, ou 95. Hein, bon, et faisait appel, semble-t-il, dans les premières études qui ont été faites, à un PPP, c'est-à-dire un partenariat public-privé avec un péage à l'entrée de la route du littoral. Donc voilà, pour dire sur cette problématique, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il fallait faire cette route du littoral. Ce qui ne veut pas dire, Madame Bello, mais on a eu l'occasion de le dire tout à l'heure, que la région oubliait tous les autres projets routiers. Hein, puisque globalement, sur chaque année, depuis quelque temps maintenant, la région consacre environ 80 millions d'euros pour les projets routiers, tous aménagements confondus, hein, qu'il s'agisse de travaux de réfection, etc., des ouvrages nouveaux. Je vous rappelle également, mais on l'a déjà dit trois fois au moins depuis le début de cette séance, qu'on va engager le pont de la rivière des Galets très prochainement, même si on a encore quelques problèmes à régler avec... Voilà ce que je voulais vous dire, et que les autres projets que vous avez pu évoquer, la RN5, route de sécurisation de la route du Cilaos, fait l'objet d'études et en même temps d'interventions, que la RN3 sur l'aménagement dans sa partie haute, notamment au-delà du tampon et à rejoindre Saint-Benoît, devra passer par une commission nationale du débat public. Ce sont des procédures très lourdes maintenant. Par ailleurs, tous les projets maintenant, qu'ils soient routiers ou autres, font l'objet de procédures de plus en plus lourdes, ce qu'on peut regretter en espérant qu'un jour, les administrations d'État, les réglementations, les décrets, les je ne sais quoi encore, permettront de simplifier toutes ces procédures. Après, on a encore d'autres aménagements, vous le savez, qui sont proposés, j'en ai parlé. Monsieur le maire de Saint-Denis est parti, mais on lance aujourd'hui Néo, hein, puisque Néo, dans sa première phase, qui sera le doublement, un peu plus que le doublement d'ailleurs, du pont sur la rivière Saint-Denis. Voilà pour ce qui est de Madame Bello. Madame Nabeneza, là vous avez posé des tas de questions. Alors, qui je dois dire. Je peux vous les reposer, si vous voulez. Non, mais il n'y a pas de problème. Qui, je dois dire, reflète bien pour certaines les interrogations de votre maire, Monsieur Thierry Robert. Hein. Alors, premièrement, je voulais vous dire que s'agissant des autorisations d'ouverture de carrière, vous avez raison de dire que c'est l'administration, que c'est l'État qui autorise l'ouverture de carrière. Il n'en reste pas moins vrai que si aucun acteur ne propose à l'État d'ouvrir une carrière et monte un dossier, eh bien, il n'y a pas de carrière, il n'y a pas de discussion. Or, ce sont bien les entreprises qui doivent monter les dossiers et les présenter pour les autorisations. Et de ce point de vue, il est vrai, et je pense que c'est parfaitement son rôle, le maître d'ouvrage, donc la région Réunion, doit jouer un rôle de facilitateur. Ça n'est pas le maître d'ouvrage qui présente le dossier de carrière,
C'est l'entreprise et c'est l'État, vous avez raison, qui le délivre. Et qui met souvent beaucoup de temps, vous le savez, pour le faire. Alors aujourd'hui, vous nous dites qu'il n'y a pas de carrière de roche massive à La Réunion. Là aussi, vous avez raison. Sauf qu'il n'y avait pas besoin jusqu'à présent de carrière en roche massive à La Réunion. Une exception à ma connaissance, celle des lataniers. Celle des lataniers. Je vous rappelle que pour réaliser le port Est, on a ouvert à la possession la carrière des lataniers, qui est une carrière en roche massive, dont aujourd'hui on espère encore pouvoir l'exploiter pour une plus petite partie, puisque une partie est maintenant protégée autour de la carrière des lataniers, mais en son temps, elle a permis de produire plusieurs millions de tonnes de roche massive. Pour ce qui est des autres carrières, effectivement, Dioré a reçu une autorisation. Mais il faut savoir que Dioré ne répond pas, pour ce qui concerne le chantier de la route du littoral, en quantité par rapport aux besoins de la route du littoral pour les roches massives. En plus, Dioré est assez compliqué, mais enfin, ça, je ne vais pas entrer dans les détails, parce qu'il y a une couverture de terre végétale extrêmement importante d'une dizaine de mètres de hauteur avant de pouvoir arriver sur les... Mais ça, c'est un problème technique dont les entreprises doivent faire leur affaire. Mansiol a reçu un avis favorable de la commissaire enquêtrice, je pense qu'on dit enquêtrice, suite à l'enquête publique. Mais le chemin n'est pas terminé, n'est pas abouti. Mansiol va demander encore au moins un an, si ce n'est plus, à condition que l'autorisation puisse arriver, parce qu'il y a des contraintes sur Mansiol environnementales extrêmement importantes. Donc voilà pour ces deux carrières. Et au passage, Madame Nabeneza, sachez que les aménagements routiers qui sont prévus à Saint-André, qu'il s'agisse de la Cressonnière ou qu'il s'agisse de l'aménagement au carrefour avec le chemin Lagourgue, ne sont pas des aménagements qui ont été faits ou prévus pour les carrières de Saint-André. C'est vrai que Cressonnière facilitera le transport des matériaux depuis Dioré, hein, mais ces aménagements sont demandés par la ville de Saint-André depuis fort longtemps. Je pense que M. Bédier, qui a été élu à Saint-André, le sait très bien. Donc aujourd'hui, effectivement, la région Réunion travaille sur deux projets d'aménagement routier de carrefour pour faciliter la circulation à Cressonnière et à Chemin Lagourgue. Voilà. Pour le PIG, vous avez raison. Oui, vous avez souvent raison, Madame Nabeneza. Vous avez raison. Ça n'est pas le maître d'ouvrage qui déclare le PIG, c'est bien le préfet. C'est bien le préfet, si ce n'est que nous avons, à la demande du préfet, nous avons sollicité pour lui écrire en demandant la mise en place de PIG. Voilà, voilà en gros ce que je voulais vous dire. Vous dire que les carrières en roche massive, il va falloir, même après la route du littoral, il faudra en ouvrir. Parce que l'alluvionnaire, en dehors d'une carrière importante, qui n'est pas encore autorisé, mais qui devrait s'ouvrir du côté à Sainte-Rose, près des ponts franchissant la rivière. En dehors de celle-là, il faut bien être conscient qu'il faudra travailler pour fournir les matériaux liés au chantier, qu'il s'agisse de BTP, qu'il s'agisse de bâtiments. Il faudra travailler sur des carrières, de nouvelles carrières, puisque l'alluvionnaire arrivera à saturation. Ça n'est pas immédiat, mais il est certain. Et il faudra effectivement répartir l'ouverture de ces carrières sur le territoire. Voilà ce que je voulais en gros dire à Madame Nabeneza. À Monsieur Bédier, qui est parti sur le délai de la route littorale, délai, les retards, etc. Il y aura du retard sur la route du littoral, mais sur un chantier pareil. Non, sur un chantier pareil. Je n'ai pas dit qu'il y avait... Je vous donne une indication. Par exemple, actuellement, sur le viaduc, on est en retard d'à peu près 3 mois, puisque la deuxième pile devait être posée
La deuxième pile devait être posée fin septembre. On est fin octobre, fin novembre. Elle va être posée très prochainement, je crois demain ou après-demain. Donc pour vous dire qu'il y a du retard et personne ne le méconnaît. Mais tout ça est normal sur un chantier comme celui-ci, où la technicité, la mise en œuvre et je veux dire, le savoir-faire doivent permettre de le faire de façon tout à fait correcte. On n'a pas le droit de se tromper. Vous avez bien vu que la barge qui est arrivée, Zourit, a mis 2 mois pratiquement pour voir comment elle pouvait naviguer, comment pouvaient être faits les chargements des piles, des mégavoussoirs, etc. Donc il y aura du retard, mais sur un chantier de cette importance, sur un chantier qui était prévu en travaux pour durer 5 ans, c'est tout à fait normal et acceptable. Je voudrais par ailleurs dire à M. Bédier que par contre, pour la mise au point de ce dossier, les différentes entreprises l'ont reconnu, ce chantier a été monté dans des délais extrêmement rapides. Trop. Non, pas trop rapide, monsieur. Non, pas trop rapide, monsieur Bélier. Extrêmement rapide, puisque on a démarré ces travaux en 2010, travaux de maîtrise d'œuvre, je parle de bureau d'études, et que les marchés ont été signés fin 2013. Donc voilà pour vous, monsieur Bédier. Voilà. Alors après, ça s'adresse aussi bien à Madame Nabeneza qu'à Monsieur Bédier. S'il vous plaît, Monsieur Bédier, vous pouvez terminer. Je dois aussi vous dire justement, que contrairement à ce que vous avez pu dire, je crois les uns et les autres d'ailleurs, les trois, il n'y a pas besoin pour ouvrir une carrière que cette carrière soit inscrite au schéma départemental des carrières. Quand on a dit ça, ça n'est pas suffisant. Il faut quand même rappeler, néanmoins, qu'une carrière ne peut s'ouvrir que si elle n'est pas contraire aux documents d'urbanisme régissant le site sur lequel on envisage de l'ouvrir. Mais il n'y a pas obligation qu'elle soit inscrite au schéma départemental des carrières. Et je ne sais pas qui faisait allusion à la tanière, qui faisait allusion à la tanière, par exemple. Voilà pour Monsieur Bédier. Pour Madame Gobalou, l'entrée ouest de Saint-Louis. Madame Gobalou, vous savez très bien qu'on en a parlé plusieurs fois, en tête à tête, j'ai envie de dire, en commission des grands chantiers, et qu'on vous a assuré qu'on engageait l'étude de ce problème qui est tout à fait réel, et notamment pour la sécurisation des piétons. On engageait cette étude en 2017 pour une réalisation, même à titre, je pense qu'il y a des solutions provisoires en attendant de refaire, en attendant de pouvoir s'il refaire vous plaît, un gros ouvrage. C'est, s'exprime. En 2017. Voilà. Pour ce qui est maintenant de la rivière des Galets et du puits, du forage qui se trouve à proximité du futur pont de la rivière des Galets. Ne croyez pas que ce soit quelque chose qui nous ait échappé, ni à nous, ni à la mairie du port, ni à la DEAL, ni à l'ARS. Donc tout un protocole à propos de la protection de ce puits pendant la phase travaux a été mis en place. Alors je ne veux pas vous en donner le détail ici, mais sachez que tout un protocole, notamment de surveillance du niveau de la nappe, notamment de pollution éventuelle de la nappe, est en place et est une des priorités imposées de façon tout à fait dure par la DEAL et par l'ARS. Donc il y a là-dessus, il n'y a pas d'improvisation, il y a un chantier qui doit se dérouler normalement en assurant la protection de ce forage, comme il faut assurer d'ailleurs la protection des autres forages de la commune du port. Parce que c'est vrai que la commune du port, les affleurements de nappes posent un problème sur la commune du port. Voilà, et puis pour Madame Rivière, mais je viens de le dire, concernant la carrière des Lataniers, et je sais qu'il y a en ce moment un mouvement contre l'ouverture de cette carrière. Ce qui est curieux, c'est qu'apparemment,
D'ailleurs, le comité qui s'est mis en place trouve que la carrière dans son état actuel est absolument remarquable, alors que c'est une carrière qui n'a jamais été réaménagée lorsqu'elle a été arrêtée. Mais enfin, ça, c'est un autre problème. On verra. Alors qu'aujourd'hui, vous savez très bien que dans l'ouverture d'une carrière, un des éléments essentiels qui intervient à la fin de l'exploitation, c'est la remise en état et le projet de remise en état de la carrière concernée. Voilà, merci. Merci, excusez-moi d'avoir été peut-être un peu... Non, très bien, merci beaucoup, cher collègue. Monsieur Rivière, s'il vous plaît. Oui, Président, juste quelques mots. Madame Bello s'est lancée dans un long développement sur la culture, a cité des auteurs connus et moins connus, a parlé de livres, mais je crois qu'elle a du mal manifestement à tourner la page d'un de ses livres. Et juste vous rappeler que la région n'a jamais refusé de financer la médiathèque Simandef. Il me semble, mais ma collègue Aline a rappelé, qu'en 2014, il y a eu un mini-séisme politique dans l'Ouest, dont l'épicentre était à Saint-Paul, et qui a précisément enterré ce projet de médiathèque Simandef. Voilà, il faut juste effectivement le rappeler. Vous essayez de faire passer cette collectivité régionale, son président et sa majorité, comme étant des fossoyeurs de la culture. Juste vous rappeler que la région, précisément cette même région, a financé la médiathèque de Saint-Leu, Grande Chaloupe, à hauteur d'un million d'euros, qu'elle a elle-même financé 2,7 millions s'agissant de la médiathèque de Sainte-Rose. Et d'ailleurs, j'ai l'occasion très souvent de passer à proximité de cette médiathèque de Sainte-Rose. Manifestement, elle est très bien avancée. Elle sera livrée très prochainement. Donc 2,7 millions, donc financée par la région Réunion. 3 millions d'euros pour celle de Grandbois, à Saint-Pierre. Et 4,4 millions pour celle de Saint-Joseph, qui, là aussi, avance à grands pas. Et nous aurons plaisir, en espérant vous retrouver à ce moment-là, pour l'inauguration de ces bâtiments. Bien, merci beaucoup, M. Rivière. C'est M. Lagour qui a signé la lettre. Et vous le savez bien que vous n'avez pas financé la médiathèque de Saint-Paul. Je ne laisserai pas dire un mensonge. Ne soyez pas turbulente. Je laisserai... Quoi ? Ne soyez pas turbulente comme ça. Non, je ne suis pas turbulente. Je dis la vérité. Non, ce n'est pas de la turbulence. Non, mais vous reprenez la parole. Non, ce n'est pas de la turbulence. C'est juste rétablir la vérité. Je ne suis pas une turbulente. Mais si, je suis respectueuse. Mais non, vous interrompez. Vous coupez la parole, vous interrompez les gens, vous allumez votre micro, c'est pas bien. Madame Bello, c'est pas bien de faire ça. Non, ne faites pas ça, c'est pas bien, je vous assure. Monsieur Virapoulet qui a demandé la parole, Madame Bassir. C'est vraiment la parole, Monsieur le Président, merci, et pas les paroles. En tant qu'administrateur du CNARM, siégeant le 7 novembre avec le président et quelques administratifs du CNARM, d'abord on a constaté que le CNARM se portait bien et que les offres d'emploi étaient en nombre assez conséquent, mais qu'on n'arrivait pas à les remplir pour plusieurs raisons. Deux essentiellement. La première, c'est que quand vous allez travailler à Disney, parfois il faut parler anglais. Et, Monsieur le Président, j'aurais aimé que vous mettiez à l'étude, on ne va pas décider comme ça, mettiez à l'étude la possibilité, dans le cadre des quatre micro-régions, et en parfaite relation avec le CNARM, la Chambre des métiers, la Chambre de commerce et l'AFPA, mettre des laboratoires de langue. Il ne s'agit pas de mettre des professeurs qui nous ont appris l'anglais comme on nous a appris, et on ne parle toujours pas bien l'anglais, mais il s'agit de mettre des laboratoires de langue qui concernent d'ailleurs, j'ai vu ça à la télévision, en Allemagne, un peu partout, les immigrés, ils arrivent, au bout de 6 mois, ils parlent la langue du pays. Et il faudrait qu'on mette ces laboratoires en place parce que ça correspond aujourd'hui aux offres qui sont faites dans tous les domaines qui touchent au loisir, au tourisme, etc. Et puis il y aura un retour sur l'île après, quand ces jeunes-là reviendront. Ils auront travaillé dans des structures internationales et ils seront intéressants pour nous. La deuxième suggestion, c'est que nous nous heurtons à une difficulté, Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est que il y a des filières qui n'existent pas ici, tous les métiers ne peuvent pas exister ici, et il y a des demandes de contrats de professionnalisation en métropole, le Conseil général finance, mais on pourrait aller plus loin si, avec notre délégué, avec la formation professionnelle, et bien sûr avec votre autorisation, on pouvait mettre en place
des contrats d'apprentissage Réunion Métropole et des contrats d'alternance Réunion Métropole pour compléter l'action de notre conseil départemental. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Madame Bassir, Madame Abeleza, Madame Gobalou, et je pense que nous en aurons peut-être terminé. Très bien, je vous en prie. Merci, merci Monsieur le Président. Chers collègues, je ne serai vraiment pas longue, c'est juste pour vous dire que le premier pilier aujourd'hui est consacré à l'éducation, à la jeunesse, et juste vous dire de ne pas douter aujourd'hui de notre ambition réelle vis-à-vis de notre jeunesse. Et pour compléter ce qui a déjà été dit par les collègues David et Louis Bertrand, juste vous rappeler que, outre les lycées, leur réhabilitation, toutes les formations que nous voulons le plus diversifiées possible pour la satisfaction du plus grand nombre d'étudiants, apprentis ou autres d'ailleurs, que nous intégrons dans notre passeport réussite, nous voulons aussi, nous avons aussi décidé une plateforme numérique commune à la région et au département, un site internet qui permet aux jeunes de s'informer sur les différentes aides auxquelles ils ont droit et aujourd'hui. Et nous avons aussi dématérialisé les bourses pour que ça soit beaucoup plus rapide, plus facile pour eux d'accéder à cette aide financière. Juste aussi rajouter que, outre cette plateforme numérique, il y a eu aussi également la création de guichets uniques mis en place dans les universités, dans des lieux où la région et le département proposent et informent les étudiants sur les aides qui existent et auxquelles ils ont droit. Nous avons également la bourse de la réussite au travers de multiples aides financières telles que l'aide à la première installation, l'aide aux premiers équipements, les allocations de stage. Et je crois que tout ce qui est fait aujourd'hui par la région, c'est vraiment pour permettre à tous nos jeunes d'accéder à leurs droits. Et en tenant compte de ce projet, de cette ambition, nous avons, avec plusieurs partenaires institutionnels, répondu à un appel à projet pour un programme d'investissement d'avenir qui a été retenu par l'État et où nous allons travailler avec des jeunes, entre autres, sur différents axes que les jeunes ont eux-mêmes définis, tels que l'amélioration d'offres d'informations en direction des jeunes pour favoriser leur accès à leurs droits et à des informations, tels qu'aussi la culture de l'initiative et l'esprit d'entreprendre, améliorer l'accès à la mobilité pour favoriser l'insertion et l'autonomie, valoriser les compétences issues de l'éducation non formelle et informelle. Et ce sont des axes, je rappelle, qui avaient été choisis et validés par les jeunes. Sur ce programme d'investissement d'avenir, la participation de la région est de 1 600 000. La volonté de la politique régionale est aujourd'hui forte et déterminée pour accorder à chaque jeune une formation, un diplôme et participer à ce qu'il prenne sa place et toute sa place dans la société dans laquelle il a le droit de s'épanouir. Voilà, je m'arrêterai là, mais je vous invite vraiment à consulter le site internet aujourd'hui Espace étudiant 974 sur lequel vous pouvez avoir un certain nombre d'informations et qui vous aideront, qui vous permettront aussi d'apporter ces informations aux jeunes qui sont autour de vous. Merci, Monsieur le Président. Bien, merci beaucoup, Madame Bézard et Madame Gobalou. Si on pouvait aller au condensé synthétique, s'il vous plaît. Merci. Je vais essayer. Monsieur Fournel, d'abord, avant toute chose, je voulais vous dire que j'ai l'impression, encore une nouvelle fois, dans cette assemblée, que le fantôme de Thierry Robert vous hante. Donc, je ne sais pas, le spectre de Thierry Robert plane ici, comme un peu celui de Bayrou, d'ailleurs, dans les plénières à droite. Il n'est pas là, mais il cristallise le débat. Donc, je voulais vous dire que, avant, et bien avant la commune de Saint-Leu, avant toute chose, je suis une femme, vous pouvez le reconstater, une réunionnaise, une mère de famille aussi. Et au-delà de ça, je suis aussi une responsable, une femme responsable qui est impliquée dans l'intérêt général et depuis très longtemps, vous le savez, puisqu'on a travaillé ensemble. Et à ce titre,
la route du littoral, quand bien même il ne s'agissait pas de Saint-Leu, est un projet qui me concerne et sur lequel j'aurais suivi de toute façon son évolution, parce qu'en tant que réunionnaise impliquée, ça m'interpelle, puisque comme vous savez, la question des déplacements est une question qui est, à mon sens, fondamentale à La Réunion. Et c'est vrai, je vous l'accorde, je suis une jeune élue. Ça fait effectivement à peine un an que je suis élue et que j'ai la chance d'être parmi vous aujourd'hui dans cette assemblée. Mais en même temps, je vais vous le dire aussi, une confidence, c'est parce que justement, il y avait au pouvoir des élus, comme certains d'entre vous, que je me suis dit qu'il fallait aussi que je vienne m'exprimer et que je fasse partager aussi ce que je vois, ce qui n'est pas forcément vu de l'extérieur. Et là, vous venez de me faire, alors là, une belle illustration de ce que on n'arrête pas de nous raconter et des mensonges qu'on n'arrête pas de nous livrer tous les jours. C'est une belle démonstration de tous les mensonges et de toutes les tromperies qu'on cache aux Réunionnais sur la route du littoral. Je vais vous reprendre. Vous m'avez dit, et je vous le remercie, que vous avez quand même reconnu que j'ai raison sur un certain nombre de points que vous avez cités. Je ne vais pas les reprendre. Et que c'est bien l'État qui ouvre les carrières. Mais effectivement, à votre demande, moi j'ai une question à vous poser. Qui c'est qui vous a dit de signer un marché quand vous n'avez pas légalé? Ce n'est pas l'État qui vous a demandé de faire ça quand même. Donc l'État vous a peut-être demandé, mais c'est parce que vous avez déjà signé un marché que vous étiez obligé de le faire après coup. Vous me dites il faut une carrière de roche massive parce qu'effectivement, on n'en a pas à La Réunion. Effectivement, donc il y a une carrière qui normalement doit produire, si je lis les arrêtés comme vous, M. Virapoulé, là il est maire de Saint-André, si je dis des bêtises, il va me rectifier. Ces carrières qu'on a ouvertes, qui sont inscrites au schéma départemental des carrières, ces quatre carrières qui sont en projet sont exclusivement dédiées pour la RNRL et exclusivement de roche massive. Alors, venez pas me dire qu'il y a un problème de qualité de la roche, c'est de la roche massive, c'est l'État qui le dit. Maintenant, si le groupement estime que la qualité n'est pas bonne ou que le volume n'est pas suffisant, en quoi c'est votre problème à vous ? Vous dites que l'approvisionnement, ce n'est pas votre problème. Vous n'avez pas répondu à une question fondamentale que je vous ai posée. Pourquoi ne donnez-vous pas l'OS ? Pourquoi ne vous donnez-vous pas l'OS ? S'il n'y a pas assez de galets dans cette carrière, il y a d'autres carrières qui vont s'ouvrir. Le problème se réglera. Maintenant, si vous ne donnez pas l'ordre de service, c'est la région qui met son propre projet en retard. C'est ça que vous voulez faire ? Mettre le chantier de la NRL en retard et faire payer aux Réunionnais encore un supplément ? En quoi le nombre de... S'il n'y a pas assez de galets, de roches massives, alors que c'est une carrière de roches massives exclusivement dédiée à la NRL, et c'est comme ça que les arrêtés sont pris, et c'est comme ça qu'on a pris des pigs. Dans ces cas-là, les autres carrières qui vont arriver, puisqu'il y en a quand même quelques-unes qui sont en cours, compléteront le dispositif. Qui c'est qui a dit qu'il fallait que l'entreprise qui a signé n'achète qu'avec un seul fournisseur ? Où c'est que c'est écrit ça ? C'est écrit dans vos marchés que vous avez signés ? Vous, vous avez signé avec quelqu'un qui doit vous fournir de l'approvisionnement. L'approvisionnement existe. Donnez cette OS, qu'on n'en parle plus, et le chantier avance. Vous êtes en train de freiner votre propre chantier et vous allez nous dire bientôt, encore une fois, que c'est un problème d'approvisionnement. Je vous ai fait la démonstration. Si jamais ce que j'ai dit n'est pas vérifié et vérifiable, dites-moi le contraire, Monsieur Fournel. Il y a une carrière à Dioré pour 5,5 millions censés de roches massives. Alors, il y en a peut-être un peu moins. Peut-être qu'il faut des sondages, mais malgré tout, d'ailleurs, il y en a une qui attend et qui va peut-être être autorisée bientôt, on n'en sait rien, parce que c'est bien sûr le préfet qui attend. Il y a la carrière de Bois-Blanc qui est en enquête publique, dont on attend le rapport du commissaire enquêteur. Le problème des millions manquants, s'il en manque des millions, alors qu'ils disent qu'il ne manque que 700 000 tonnes, sera résolu. Donc, pourquoi ne donnez-vous pas cet ordre de service ? C'est une vraie question, et c'est une question qui est fondamentale. Vous n'arrêtez pas de mettre sur le dos des communes, des entreprises... et du monde entier, je ne sais qui, la responsabilité d'un éventuel retard sur ce chantier. Prenez vos responsabilités. Il vous appartient de donner cette OS. Si vous ne le faites pas, c'est vous qui êtes en train de mettre en retard ce chantier. Merci. Bon, s'il n'y a personne, on ne va pas laisser le blanc. On en a juste pour deux secondes. J'avais posé une question... Je la repose en même temps. Vous n'êtes pas obligé de me répondre. En cas de retard lié aux approvisionnements en roches massives, est-ce que ce sont les seuls titulaires des marchés de construction qui en assumeront les conséquences financières ? Ça, c'est la question. Répondre ou répondre pas, mais la question est posée.
La deuxième chose, et moi là je lance un message à ceux aujourd'hui qui ont le pouvoir de décision sur les carrières. Poudiazot, que nous à Saint-André là, nous les plus vilains que les autres ou quoi, les bien écrits dans les textes, que nous avons une obligation de répartition dans l'espace géographique de ces méga-carrières, ce qu'on appelle les méga-carrières, parce que derrière ces carrières, il y a des nuisances, il y a de la maladie, il y a des poussières, il y a des tirs de mines, il y a des rotations de camions. Et Zat, il voudrait que nous encaissons 3 méga-carrières à Saint-André. Il y a 4 micro-régions à La Réunion. Répartissons la misère, répartissons ces problèmes sur l'ensemble de l'île. Nous, à Saint-André, nous avons donné, puisque nous avons la carrière de Dioré, allez faire les autres ailleurs. Voilà ce que m'a mis Diazot au nom des Saint-Andréens ici aujourd'hui. Madame Gobalou. Oui, c'est bon. Oui, merci de me donner la parole. Je vais intervenir rapidement, juste pour faire la remarque à notre collègue Madame Noël. Je vous remercie donc pour votre intervention. Vous avez donné quand même des informations qui sont importantes. Moi, je vous invite, Madame, avec accord bien sûr des autres membres de commission, de faire une commission conjointe, justement pour évoquer toutes les informations que vous venez de nous donner sur le plan régional des déchets. Cette commission conjointe, elle sera nécessaire pour que nous, élus, nous puissions aussi, comme nous siégeons dans d'autres établissements, avoir ces éléments-là sur ce plan régional de prévention des déchets. Et puis, je voulais aussi dire, je ne sais pas si elle est encore là, à Mme Murin, que ça serait bien qu'elle garde ses leçons de valeur morale politique pour elle-même, puisque en 2010, elle était l'adversaire du président Robert. Mais qu'elle garde ses leçons politiques pour elle. Et je dirais aussi à M. Rivière, qui a abordé un point très important tout à l'heure, c'est les inaugurations. Je vous informe, chers collègues, que l'opposition n'est pas invitée lors des inaugurations. Il y a eu entre autres le pont de Sainte-Suzanne. Moi-même, je fais partie de ce pilier. J'ai appris dans la presse que l'inauguration du pont du radier de Sainte-Suzanne, comme pour le radier de Saint-Louis et comme pour l'antenne de la région qui se trouve être au tampon. En tous les cas, les membres de l'opposition ne sont pas conviés à toutes les inaugurations. J'en ai fait la remarque dans la commission des grands chantiers. On m'a demandé de m'adresser à Mme Robert. Alors, si Mme Robert m'entend, Madame, s'il vous plaît, en tant qu'élue de la République, donnez-nous les informations, invitez-nous quand il s'agira donc de faire des inaugurations. Et je m'adresse également à vous, Monsieur le Président, de respecter les élus de l'opposition. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Mme Murin n'étant pas là, ses valeurs de leçon politique morale, elle les garde pour elle parce que c'était votre adversaire en 2010, Monsieur le Président. Alors, respectez l'opposition, c'est ce que nous vous demandons. Nous sommes tous, autant que nous sommes, des élus de la République. Alors nous méritons le respect. Et ce n'est pas la peine, Monsieur le Président, de me dire le contraire, puisque la collectivité régionale ne respecte pas les élus de l'opposition. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai toujours dit, Madame Gobalou, le respect vaut dans tous les sens. Vous n'avez pas attaqué comme ça Madame Boireau-Murin. Ne le faites pas. Ça ne vous grandit pas. Ça ne vous grandit pas, et ça ne grandit pas la démocratie. Madame oui. Bello, je vous en prie. Oui, Monsieur le Président, juste un petit point d'ordre. On est là, combien, à 20. Tout à l'heure, on était à 18. Le quorum, c'était à 23. L'opposition fait le quorum pour la majorité qui va manger. Et c'est pour ça que je souhaite, Monsieur le Président, je l'ai déjà dit, vous étiez parti la fois dernière. Je souhaite vraiment que l'on organise cette journée de manière autre. Parce que, et c'est juste ce que je dis. Voilà. Et vous, et tout à l'heure, vous avez dit que j'étais comment ? Insolente, c'est ça ? Non, ah non. Non. Turbulente, mais non. Je ne me serais vraiment pas permis. Je ne suis pas turbulente, monsieur Robert, mais juste, je veux à chaque fois rétablir aussi la vérité. C'est un grand homme qui a dit, c'est la vérité qui rend libre. Et lorsque j'entends un certain nombre de petitesses qui sont exprimées ici dedans, ben je fais de la politique depuis longtemps. Hein. Je ne suis pas une nostalgique, je suis une femme debout. Sinon, j'aurais abandonné. Très bien, merci beaucoup, cher collègue. Je vous promets de réfléchir sérieusement à cette réorganisation, mais une réorganisation exige une
refonte d'ensemble. C'est-à-dire qu'il faut aussi que nous trouvions les uns et les autres peut-être une organisation interne à nos groupes pour que les interventions soient peut-être organisées et non pas répétitives. Parce que vous sentez bien que si nous faisons encore une coupure de 2 heures entre midi et 2, nous sommes partis jusqu'en fin de soirée. Nous avons aujourd'hui, je vous le rappelle, nous avons aujourd'hui un ordre du jour qui est relativement léger. Donc avec à peine une dizaine de rapports à l'ordre du jour, ça n'est pas toujours le cas. Donc je veux bien qu'on étale, mais si nous devons terminer ici tard dans la nuit, je ne sais pas si ça sera très utile. En tout cas, je vous promets de réfléchir à cela. Je ne reviens pas très rapidement, je ne vais pas rallonger le débat inutilement, rassurez-vous. Je ne voudrais je ne répondrai plus aux questions qui ont été réponses qui ont été apportées par l'ensemble des élus et je vous en remercie donc, sur les différents points qui ont pu être évoqués par vous. Je voudrais simplement rappeler que ces orientations budgétaires aujourd'hui précèdent donc, le budget que nous aurons à voter à la fin de cette année sont tout simplement l'expression du projet de mandature que nous portons, majorité régionale, depuis 2015, décembre 2015. Et c'est normal, donc, une remarque qui était faite par Madame Damélisa, c'est normal que vous retrouviez et que nous retrouvions donc, à chacune de ces orientations budgétaires les lignes clés. Donc nous n'allons pas changer le projet de mandature, nous n'allons pas changer le cap, nous n'allons pas changer d'orientation. C'est bien le programme qui a été validé, reconnu et accepté par les Réunionnais en décembre de l'année dernière, qui aujourd'hui est la trame principale donc de ce que nous avons les uns et les autres à porter et à débattre ici en assemblée plénière comme en commission permanente ou en commission sectorielle. Dire d'abord que nous avons un problème de fond et vous l'avez d'une certaine manière soulevé, Madame Bello. Nous avons un problème de fond qui est celle de considérer quelle est la place finalement de l'État et quelle est la place que l'État entend occuper donc, auprès des collectivités locales aujourd'hui et dans les années qui viennent. Deux points que vous avez évoqués, celui de la question de l'éducation, celui également du logement. Dans un cas comme dans l'autre, nous le savons tous, ça n'est pas de la compétence première des collectivités locales, ni de la région, ni du département, ni des communes. Il n'empêche que les collectivités locales aujourd'hui, pour compenser donc, cette désaffection et ce manque de l'État, quels que soient les gouvernements, et nous pouvons remonter très loin dans le temps, donc nous sommes obligés d'intervenir, soit en garantie d'emprunt, soit sur des opérations de frafus, si je parle du logement, pour essayer de faire en sorte que les opérations puissent quand même voir le jour, alors que le point de départ, c'est bien le fait qu'il manque de manière forte un partenaire autour de la table. Nous savons très bien aujourd'hui que la défiscalisation sur le logement social seul ne suffit pas, qu'il faudrait pouvoir arriver à convaincre le gouvernement du bien fondé de remettre la question de la défiscalisation sur le logement intermédiaire. Cela a produit ses effets, cela a permis d'avoir une vraie dynamique à un moment pour le territoire. Je pense que cela fait partie des débats que nous devons poser, mais pas nécessairement ici. Nous apportons, Mme Bello, vous le savez, mesdames et messieurs, chers collègues, nous apportons aux collectivités régionales tout ce que nous pouvons faire, mais sur des sujets, encore une fois, qui ne sont pas directement les nôtres. Sur la question de l'éducation, la construction des lycées est importante, David Lorion l'a souligné, mais au-delà de la construction des lycées, ce qu'il est encore plus, c'est bien quelle est la place de l'éducation nationale, quelle est la place des enseignants aujourd'hui. Voilà. Est-ce que l'État donne suffisamment les moyens nécessaires par rapport aux enjeux et par rapport aux grands arbitrages que nous avons à avoir à faire pour la Réunion comme ailleurs? Donc ça, c'est un élément qu'il faut que nous ayons et que nous prenions tous en considération. Et je rêve qu'il y ait un vrai consensus à un moment donné de l'ensemble des élus locaux pour que nous puissions ensemble continuer à interpeller et à dire à l'État et au gouvernement aujourd'hui qu'il y a encore des éléments de rattrapage, qu'il y a encore des sujets majeurs qui doivent être posés, qu'il y a encore des choses qu'il faut encore faire et que nous en sommes loin aujourd'hui si on se contente uniquement de transferts de compétences, comme ça a été le cas pour les lycées, comme c'était le cas sur les routes, comme c'est le cas aujourd'hui sur la loi NOTRe, et systématiquement en remettant en question et en remettant en cause les moyens budgétaires qui sont associés. Vous savez, à la lecture des orientations budgétaires et encore plus à la lecture du BP 2017, que nous aurons, donc à la fin de 2017, 13,7 millions d'euros exactement de moins de DGF, ce qui correspond à un impact immédiat sur nos ratios financiers, l'épargne,
ce qui correspond à un impact immédiat sur notre capacité de désendettement. 13 millions d'euros, c'est l'équivalent d'une année de désendettement pour la collectivité régionale. Donc, c'est un vrai sujet de savoir aujourd'hui quelle est la partition que l'État entend prendre aux côtés des acteurs, ne pas simplement transférer, mais le faire avec suffisamment de sérieux pour que nous puissions les uns et les autres nous retrouver, parce qu'au final, nous travaillons tous effectivement dans le cadre de l'intérêt général pour nos populations. Encore faut-il que chacun assume sa part de responsabilité à ce niveau. Je n'en dis pas davantage. Sur le programme d'ensemble qui est porté par la région, il est relativement simple. Il se décline en trois grands blocs. Celui d'abord d'une politique de grand chantier, j'allais presque dire inédite, à ce niveau, aussi bien entre 2010 et 2015 qu'entre 2015 et 2017. Nous parlons aujourd'hui de première et de deuxième génération. Je ne suis pas comptable des travaux qui ont pu être des chantiers, qui ont pu être engagés ailleurs. Je ne les méconnais pas. Donc la Réunion n'existe pas depuis 2010, elle existe bien avant. Il y a des hommes et des femmes politiques qui se sont engagés sur d'autres opérations bien avant, en ce qui nous concerne. Majorité régionale en 2010 et en 2015. Donc il s'agit pour nous, aujourd'hui, de considérer qu'il y a cette première génération de grands chantiers, notamment qui se décline notamment donc avec les accords de Matignon, donc au total plus de 2 milliards d'euros sur les aéroports, sur la partie liée au transport en commun, sur la nouvelle route du littoral. Et puis il y a cette deuxième génération de grands chantiers aujourd'hui que nous souhaitons davantage liés à un aménagement équilibré du territoire. Et c'est pour cela que nous mettons en avant le développement du pôle industriel de Bois-Rouge, que nous mettons en avant le développement de l'écocité de Cambé, que nous mettons en avant le développement de la zone aéroportuaire de Pierrefonds. Voilà ce que nous considérons aujourd'hui comme cette deuxième génération. 3 milliards d'euros, c'est le montant et le chiffre d'investissement qui sera consacré donc à ces opérations sur le mandat qui s'ouvre, avec bien sûr un engagement de début d'exécution et non pas de finalisation. Et c'est dans ce sens que je dis que sur ces opérations liées au grand chantier, jamais la collectivité régionale n'aura été aussi engagée. Et cela concerne, je l'ai eu l'occasion de le dire ce matin, cela ne concerne pas simplement la nouvelle route du littoral, puisque vous avez globalement chaque année près de 200 millions d'euros, ou un peu plus de 200 millions d'euros même, consacrés aux autres opérations donc, qui concernent donc, les programmes d'investissement et de champs de compétences de la collectivité régionale. C'est grâce à cette politique de grand chantier que nous arrivons aujourd'hui à soutenir, à participer à soutenir l'activité, à soutenir le secteur du BTP à La Réunion. Et nous continuerons à le faire. Bien sûr que ça exige donc un niveau d'endettement supérieur, mais nous sommes élus pour agir. Nous sommes élus aujourd'hui pour pouvoir effectivement trouver des points d'équilibre budgétaire et financier. C'est ce que nous faisons. Et je profite pour remercier notre directeur général des services, l'ensemble des services qui aujourd'hui travaillent de manière très sérieuse sur l'ensemble de ces dossiers, pour vous dire que les équilibres financiers sont atteints, mais que nous continuerons donc à assumer ce rythme d'investissement tout en essayant de contrôler au mieux les dépenses de fonctionnement. Le deuxième grand bloc d'intervention pour la région Réunion aujourd'hui, c'est bien ce nouveau modèle économique. Nouveau modèle économique que nous déclinons aujourd'hui sous forme de bioéconomie, c'est-à-dire comment concilier ou comment réconcilier aujourd'hui économie et écologie. Comment faire en sorte que lorsque nous parlons de développement du tourisme, nous parlons de développement du tourisme durable. Comment faire en sorte que lorsque nous parlons d'énergie aujourd'hui, nous parlons effectivement d'énergie nouvelle et que nous travaillons ensemble, tous, j'espère, opposition et majorité confondues, pour tendre et faire en sorte que la Réunion puisse tendre vers l'autonomie énergétique à terme. Voilà des éléments qui sont constitutifs aujourd'hui de ce nouveau modèle économique. Et là aussi, nous avons besoin. Nous avons besoin de franchir un palier, un pas supplémentaire, qui est celui que nous avons posé dans le cadre de la demande d'expérimentation. Parce que si nous n'arrivons pas, pour le territoire réunionnais, à faire en sorte que nous puissions prendre un certain nombre de décisions ici, localement, sur la fiscalité, sur les charges sociales aux entreprises, nous passerons à côté de tout ce que nous aurons pu mettre en œuvre en termes de compétitivité aux entreprises. Si nous n'arrivons pas à faire valoir le fait que la région Réunion, les collectivités locales, puissent avoir, dans le cadre de conventions particulières sur nos champs de compétences, des relations avec les îles, les pays de la zone, nous passerons à côté de notre histoire. Le développement de la Réunion ne se fait pas simplement en regardant Paris. Le développement de la Réunion se fait en considérant que nous sommes français, mais que nous sommes aussi français dans et de l'océan Indien.
Et puis, troisième volet, qui a été souvent évoqué aujourd'hui, oui, sur le SAR, il y a incontestablement des évolutions à amener. Nous y travaillons pour faire en sorte que nous soyons dans une logique qui est celle qui reconnaisse non pas simplement un aménagement équilibré du territoire, mais qui reconnaisse la dimension économique d'un document qui doit servir effectivement au développement, à la création d'activités et à la création, d'emplois. Un mot de conclusion sur certaines inventions pour dire tout simplement que pour faire tout cela, je parlais d'équilibre financier, de ratio qui était respecté, nous nous sommes donnés depuis 2010 et en 2015 les moyens de cette politique, que nous avons aujourd'hui la confiance des partenaires, et notamment des partenaires État, Europe. Notre directeur général des services a appelé ce matin même que j'ai eu l'occasion de signer cette convention avec l'AFIT, qui est l'organisme qui, au nom de l'État, assure les opérations de financement de transport sur l'ensemble du territoire national. 500 millions d'euros de convention ce matin, qui marque bien l'engagement de l'État sur le chantier de la nouvelle route du littoral pour les 5 prochaines années. Vous posez-nous la question, s'il y avait le moindre doute de l'intérêt et de la pertinence de mettre en œuvre, de mener à bien ce chantier de la part de l'État, vous imaginez bien que ce genre de convention ne serait pas signé. Partenariat également avec, bien évidemment, les instances européennes. Nous aurons la validation en début d'année prochaine d'une enveloppe de plus de 150 millions d'euros de la part Europe sur les financements des programmes d'investissement pour la région Réunion à venir. Et puis, un dernier volet, c'est encore une fois le fait que nous puissions aujourd'hui, avec nos partenaires financiers, que ce soit la Banque européenne d'investissement, que ce soit la Caisse des dépôts et consignations, que ce soit les banques locales aujourd'hui, pouvoir continuer à travailler et à œuvrer pour le développement de la Réunion. Voilà ce que je voulais très rapidement et en raccourci synthétique rapporter, simplement dire que ces orientations budgétaires donc, sont la traduction du projet de mandature validé par les Réunionnais, et que c'est sur cette ligne-là d'action que nous sommes aujourd'hui engagés les uns et les autres. Et nous aurons, j'espère, l'occasion de nous retrouver à la fin de cette année pour pouvoir valider cette fois les enveloppes budgétaires correspondantes pour que 2017 puisse être une année à nouveau d'action et d'engagement pour la région Réunion. S'il n'y a plus d'autres paroles, je le souhaite, je vous propose donc tout simplement de prendre acte de ces orientations budgétaires et de vous proposer de passer au rapport suivant qui concerne le personnel de la région et la création de postes. Je voudrais avoir l'avis, s'il vous plaît, de la Commission des affaires générales et financières, Mme Cavidi. La Commission des affaires générales et financières a émis un avis favorable sur les termes du présent rapport relatif à la création de postes. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose d'ouvrir les débats, si vous le souhaitez. Monsieur Bédier, vous avez la parole. Vous disiez à l'instant, Monsieur le Président, que l'État doit prendre sa part de responsabilité dans un certain nombre de domaines. Moi, je pense que quand on gère une grosse collectivité comme la vôtre, comme la nôtre, en ces temps difficiles, on doit aussi gérer un bon père de famille. Et ce qui m'amène à dire qu'il y a un indicateur qui ne trompe pas, celui des dépenses du personnel. De 2015 à août 2016, l'effectif global passe de 2222 à 2519 hors emploi aidé, soit une augmentation de pratiquement 300 agents en moins d'un an. Cette évolution concerne essentiellement les contractuels, plus 127, et les non-permanents, plus 190. Des explications s'imposent, d'autant plus que ces recrutements interviennent dans un contexte électoral, puisque vous avez bien compris, ça s'est passé entre 2015 et 2016. Donc, quand on parle de rigueur, quand on demande aux autres de prendre ses responsabilités, est-ce que véritablement la région, entre 2015 et 2016, avait véritablement besoin de plus de 300 agents, si ce n'est là du clientélisme électoral? Électoral, c'est important, vous avez raison. Madame Bellou. Oui, Monsieur le Président. Un détail, mais vous savez que le diable est dans le détail. Je vous ai écrit le 18 août 2016 pour vous demander de nous faire parvenir la liste nominative du personnel. J'ai envoyé ça, tout ça en recommandé.
Et donc, il n'y a toujours pas de réponse. Voyez-vous, je regrette d'être dans l'obligation de saisir le CADA. Vous savez, cet organisme qui permet l'accès aux documents administratifs, celle-là même qui a été créée en 1978, pour assurer la bonne application du droit d'accès et qui reconnaît à toute personne eh bien, l'accès à ces dossiers. Et puis, je n'ai toujours rien. Je crois que là, en matière de transparence, ce n'est pas ce qu'il faut dans notre région, dans notre pays, ici à La Réunion. Et en matière de démocratie, ben, il faut qu'il y ait une autre façon de faire les choses. Et je dis les choses extrêmement poliment. Très bien, je vais vous répondre. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, Madame Gobalou, Madame Nativel? Oui, Monsieur le Président, merci. Alors, je voudrais quand même vous faire remarquer que dans ce tableau, il est imprécis puisque vous savez que la création de postes nécessite bien sûr une réflexion sur le développement des activités dans un contexte de nouveautés, de modification de l'organisation du travail. Alors, il aurait fallu faire apparaître dans ce tableau le nombre de postes vacants, le nombre de postes aussi qui sont inoccupés. Et puis, je me permets aussi de vous faire la remarque sur le nombre de postes que vous créez en catégorie C. Hein, il y a quand même une disparité entre la catégorie C et la catégorie A. Vous créez 3 postes d'agent de maîtrise, alors que vous savez très bien que la filière technique, c'est quand même une filière très importante au sein de la collectivité régionale. Vous créez 10 postes d'attachés sur un effectif de plus de 2000 agents, tous statuts confondus, mais vous créez surtout 4 postes de directeur territorial. Donc, je vous fais quand même la remarque sur la disparité entre le nombre de postes créés dans les 3 catégories A, B, et C. C'est un peu la syndicaliste qui vous parle, puisque en principe, ce tableau-là aurait dû nous préciser, Monsieur le Président, le nombre de postes vacants et le nombre de postes inoccupés. Je vous remercie. Eh bien, merci, Madame Nativel, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous assistons depuis le début de cette mandature à la création d'un certain nombre de postes. Nous espérons que le personnel est effectivement au travail dans la collectivité régionale. Alors, pourquoi je dis cela? Vendredi 4, en début d'après-midi, donc, j'ai été destinataire d'un SMS dont l'objet était une invitation de Didier Robert à une réunion d'information organisée dans le centre des primaires du centre et de la droite à la salle Candin le lundi 7 novembre en présence de M. Estrosi qui a été remplacé. Et vous n'êtes pas venu? Alors, lorsque j'ai rappelé le numéro, j'ai pensé que c'était une plaisanterie. Donc, j'ai eu l'assistant de M. Drenaza qui m'a affirmé avoir invité tous les élus. Je me suis renseignée. J'étais la seule dans l'opposition. Je pense qu'il y a une erreur hein, au niveau de votre listing. Si. Bon, ça, c'est pour l'anecdote. Ou alors, on appelle du pied. Ça, c'est pour l'anecdote. Mais pour parler plus sérieusement, M. le Président, j'espère, nous espérons, que la collectivité régionale et plus particulièrement son personnel ne constitueront pas un outil au service de la campagne électorale, des présidentielles, enfin du soutien du candidat que vous allez soutenir. Voilà, je vous remercie. Monsieur le Président, ça se fait. Très bien, je vous remercie. Appel du pied, non. ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas avec moi. Je suis bien là où je suis. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y en a pas, deux ou trois éléments de réponse. D'abord, peut-être, il y a tout simplement que le personnel de cette collectivité est un personnel, j'ai l'occasion de le dire à plusieurs reprises, professionnel, sérieux, engagé, et qui n'attend pas que du président autre chose qu'une relation, qui est une relation professionnelle, loyale et engagée. Dans le cadre des missions qui sont les leurs, dans le cadre des fonctions qu'elles ont à assumer. Et ensuite, comme partout, en dehors de cadre professionnel, chaque citoyen est libre de pouvoir assumer des engagements syndicaux ou des engagements politiques tels qu'il le souhaite. Et je vous assure que je mets le point d'honneur à faire le grand distinguo en ce qui concerne ce point précis. Je voudrais dire à M. Bédier
On a encore parlé de respect des élus ce matin. Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises. Le respect vaut tout le temps. Lorsque vous vous permettez, M. Bédier, de parler de clientélisme électoral, d'accord, sur quoi reposent vos allégations gratuites? Sur quoi reposent vos déclarations gratuites? Uniquement... Non. Très bien. Non, mais ça, c'est votre interprétation. C'est votre interprétation des choses. Non, c'est votre interprétation. Et si vous avez le moindre doute, je vous propose de saisir les autorités nécessaires, ou alors de ne plus en parler. Mais dire aujourd'hui qu'il y a du clientélisme et de le faire de manière gratuite, d'accord, et de le dire de manière gratuite, faites-le, comme vous avez l'habitude de le faire. Mais n'attendez pas de moi dans ce cas, qu'il y ait le respect que vous attendez. Parce que le respect vaut tout le temps, vaut sur tous les sujets. Je vous respecte en tant qu'élu, à partir du moment où vous êtes capable aussi de respecter cette enceinte, de respecter les élus qui sont là et de me respecter. Donc voilà, mais peu importe. C'est très bien, monsieur Médier. Je vous en prie, continuez à vous exprimer de la sorte et continuez à vous enfoncer. Mais est-ce que vous pensez que j'ai besoin de vous faire peur? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est nécessaire? Est-ce que vous pensez que c'est utile? Est-ce que vous pensez vraiment que nous avons besoin là d'essayer de nous faire peur les uns les autres? Je vous dis simplement, mais je vais vous répondre. Je vais vous répondre, moi. Je vais vous répondre. Très bien, je vais vous répondre. Je vais vous répondre là-dessus. Mais je vous dis simplement que n'attendez pas de moi donc le moindre attitude de respect lorsque vous n'êtes pas vous-même capable de le faire. Très bien. Ensuite, les chiffres que vous évoquez sont faux. L'évolution réelle en ce qui concerne le personnel de la région, nous partons de 600, un peu moins de 600 personnes en 2006, pas si loin que ça, Madame Bello, ça fait 10 ans, à 2600 agents aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a eu une progression énorme. Alors nous allons considérer que pendant toute cette période, il y a eu effectivement du clientélisme électoral, pour reprendre vos termes. Entre 2006 et 2016, il y a eu la collectivité régionale, en cas absorbé, connue, entre 600 agents à 2600 agents aujourd'hui, pour deux raisons essentielles. La première tient tout simplement au transfert de compétences. Des routes, des lycées. Sur les lycées, aujourd'hui, nous avons 1200 agents, qui étaient 80% des agents de l'État, transférés à la région. Sur les routes, aujourd'hui, nous avons un peu plus de 300 agents transférés de l'État à la région. Ensuite, il y a des choix qui ont été faits, que nous avons posés depuis 2010, confirmés en 2015, qui est celle de prendre en charge un certain nombre de sujets, tels que le plan ordinateur portable. Il y a aujourd'hui 48 animateurs qui travaillent dans les lycées. Il a fallu effectivement embaucher pour pouvoir répondre à cette mesure nouvelle. Dans le cadre de la continuité territoriale, donc il y a eu des embauches nouvelles. Et aujourd'hui, nous sommes effectivement sur un cadre d'intervention qui fait qu'il y a plus d'agents qu'avant. Tout simplement peut-être que parce que la collectivité régionale, en plus des compétences obligatoires qui lui ont été transférées, a fait le choix d'un certain nombre de sujets sur lesquels nous sommes aujourd'hui clairement identifiés. Et je suis très heureux de pouvoir dire qu'en tant que président de région, avec l'ensemble des élus de la majorité, que nous puissions participer d'une certaine manière à faire reculer le chômage et à permettre à des personnes aujourd'hui diplômées, qualifiées, de pouvoir travailler, à des personnes diplômées, qualifiées, de pouvoir trouver un espace professionnel et, je l'espère, un espace de vie. Donc on ne peut pas vouloir une chose de son contraire. On ne peut pas vouloir dans la rue et sur les tribunes politiques, comme vous le faites certains d'entre vous, donc crier au scandale du chômage à La Réunion. Et lorsque vous avez des entreprises, lorsque vous avez des collectivités locales qui aujourd'hui s'engagent donc, dans cette voie, comme nous l'avons fait par exemple sur les contrats d'apprentissage, vous savez que nous sommes l'une des rares collectivités aujourd'hui à accepter de prendre des jeunes en contrat d'apprentissage ici pour essayer de répondre à une demande qui est une demande réelle. Et donc aujourd'hui, oui, je suis très heureux et très fier en tant que président de région de pouvoir dire qu'il y a 2600 agents qui travaillent dans cette collectivité et qui le font encore une fois avec beaucoup de sérieux et que de beaucoup de professionnalisme. Et puisque l'occasion m'en est donnée, nous avons en même temps,
avec les organisations syndicales depuis quelques années maintenant, organiser un programme de travail qui permet de prendre en compte donc, la dimension donc, d'accompagnement aussi des agents, avec, à titre d'exemple, un plan de titularisation qui fait que les agents aujourd'hui qui ont exercé loyalement et avec sérieux et compétence pendant une période de 2 à 3 années peuvent prétendre naturellement à une stagiarisation et à une titularisation. De la même manière, nous avons mis en place des formules telles que les tickets restaurant et le travail est continu avec l'ensemble des organisations syndicales. Voilà ce que je pouvais peut-être rajouter en ce qui concerne donc les éléments liés à cette création de postes pour le personnel. Et je ne sais plus qui a posé la question sur le tableau des postes vacants, etc. La loi nous amène à ce que vous retrouviez ces éléments à chaque conseil d'administration. Donc si vous vous référez au conseil d'administration du mois de juin, OCA, compte administratif, autant pour moi. Compte administratif donc de juin, donc vous aurez l'ensemble de ces effectifs. Et sur le compte administratif de l'année prochaine, vous aurez également les réponses aux questions que vous vous posez. Enfin, Madame Bello, je termine. Et je ne sais comment vous dire que dans votre casier, depuis quelques jours maintenant, il y a la réponse à votre courrier ainsi que l'ensemble des documents qui ont été demandés. Non, je viens de pas de mettre. C'est dans votre casier depuis un moment, donc c'est là. En tout cas, Madame Bello, je ne veux pas polémiquer. Je dis simplement que depuis quelques jours, les éléments que vous avez demandés donc, sont à votre disposition. C'est la loi qui nous y amène, nous y contraint, et c'est naturellement que vous avez accès. C'est à cette adresse que vous auriez dû me l'envoyer. Et donc, vous mettez dans le casier pour toujours après vous... D'ailleurs, je vous remercie si vous me l'avez envoyé. Et donc, mais en même temps, tout à l'heure, vous avez, si vous permettez, puisque j'ai la parole, après j'en aurai terminé, hein, vous êtes, on a dit, un jeune président. Mais vous avez des méthodes, vraiment, qui sont des méthodes pires que les anciennes méthodes. Moi, voilà, ce que Joé Bédier, bon, ce dont il a parlé, notamment. Moi, je vois, par exemple, hein, en matière de respect des élus, nous, on avait une convocation pour le 27 octobre. Et moi, j'ai appris incidemment que c'était reporté au 10 novembre. On a reçu la convocation plus tard. Dans une collectivité comme celle-là, la collectivité la plus importante, est-ce que l'on serait incapable d'organiser les voyages, les rencontres diverses et variées, de telle sorte que nous tenions les séances publiques importantes de manière à ce que les dates soient vraiment bien fixées. La précédente séance, qui était une séance très importante, vous vous êtes éclipsé dans l'après-midi. Quelle considération pour nous. Nous voudrions vous dire aussi qu'en matière de notre traitement, moi je reçois à chaque fois vos documents, je ne connais pas, achète un peu des enveloppes, sinon point, il ne colle pas. Toute la bande est rouverte. Et donc, là aussi, moi, ça apparaît comme de la désinvolture. Je dis à chaque fois, c'est l'insoutenable légèreté qui vous anime. On dirait que c'est ça. En la matière, contredisez-moi. Et donc, c'est vrai. Alors, moi, j'ai demandé, c'est pas tout le monde, mais moi, à chaque fois, le courrier est défoncé. C'est pas la poste, hein, parce qu'après, on m'a dit, c'est peut-être des vieilles enveloppes. Écoutez, quand même, c'est des travaux qui sont organisés en séance publique, tout le monde peut assister. Mais nous, permettez quand même que nous ayons ces enveloppes avec un minimum de respect. Très bien, monsieur le directeur général des services, je laisse ça à votre sagacité. Est-ce que nous en avons terminé? Oui, Madame Goubalou, je vous en prie. Monsieur le Président, mais je persiste pour vous dire que ce tableau-là, il est nécessaire quand on crée des postes, même si on le voit dans le compte administratif. Et je persiste aussi sur les disparités qui existent entre la création de postes dans les différentes catégories et les différentes filières. Et puis, je me permets aussi de vous rappeler, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous parlez de transparence, il n'y a pas cette transparence puisque vous avez quand même des salaires dans les SPL. Je ne sais pas si c'est du personnel région mis en détachement ou en disponibilité.
visibilité au sein de la SPL. Je prends pour référence celle de Saint-Leu, musée Stella, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec un salaire quand même exorbitant, alors qu'en face, nous avons des jeunes diplômés qui n'ont pas un tel salaire et qui, certains, se retrouvent aussi au chômage. Ça aussi, vous devriez faire attention pour qu'il y ait quand même l'équité et non pas des salaires vraiment exagérés. Je profite pour vous le dire, puisque c'est pas normal. C'est pas normal qu'on puisse payer un poste d'encadrement à plus de 10 000 euros par mois, Monsieur le Président. Ça, c'est pas normal. En face, il y a des jeunes diplômés, il y a des diplômés qui n'ont pas ce salaire. Merci. Très bien, je prends bonne note. Est-ce que nous en avons terminé sur ce rapport ? Je vous propose de mettre au voie, si vous en étiez d'accord, ce rapport sur la création de postes. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Madame Bello, Monsieur Bédier, Madame Gobalou, plus procuration de Monsieur Annette, Madame Nativelle, plus procuration de Monsieur Cadet, Madame Profil, Madame Rivière, Madame Nabeneza, plus procuration de Madame Wonfaïn, Madame Monique Bénard et Monsieur Waro. Très bien, merci. Les votes favorables. Monsieur Virapoulé, Monsieur Robert, Madame Ramassami, Madame Coste, Monsieur Grondin, Monsieur Guézelot, plus procuration de Madame Waro, Madame Kabidi, Madame Limossim, Madame Moutoukomora Poulet, plus procuration de Madame M. Doyoma, Madame Murin-Waro, Madame Noël, Monsieur Payette, Monsieur Rivière, plus procuration de Monsieur Lorion, Monsieur Técher, Monsieur Valli, Madame Vitry, Monsieur Fournel, Madame Coipel-Sauré, Madame Valérie Bénard, Madame Bassir. Madame Coipel, plus procuration de Monsieur Foissin. Très bien, merci beaucoup. Ce rapport est adopté. Je vous propose de poser l'examen du dernier rapport qui concerne le remplacement d'un conseiller régional au sein d'une commission sectorielle. Donc il convient aujourd'hui de remplacer M. Michel Fontaine au sein de la commission aménagement, développement durable et énergie. Nous avons reçu la candidature de Mme Nathalie Noël-Cadet. Est-ce qu'il y a des remarques particulières ? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Très bien, ce rapport est adopté. Nous avons épuisé l'ordre du jour. Je vous remercie. Encore, chers collègues, d'avoir participé. Et je vous donne rendez-vous, Madame Bello. Je vous donne rendez-vous le 19. C'est pas. Non, c'est juste un point administratif. S'il vous plaît. Je vais Bédier en parler parce que ça le concerne. Il est dans deux commissions. Et notre conseillère générale arrivante, conseillère régionale arrivante. S'il vous plaît, un petit moment de. Excusez-moi, hein, pardonnez-moi. Non, je vous en prie. Et notre conseillère régionale qui vient d'arriver, comme Joël Bédier, il est dans deux commissions. On voudrait qu'il y en ait l'une et l'autre qui s'échangent, qui se mettent dans la commission qui leur semble la plus intéressante. C'est quoi la procédure, Monsieur le Président ? La prochaine assemblée est prévue le 19 décembre. Ce que je vous propose tout simplement, c'est de nous adresser un courrier donc de la part du groupe et demandant le remplacement de M. Bédier par Mme Rivière dans la commission que vous souhaitez. Et nous allons pouvoir proposer ça à l'assemblée du 19. Très bien, je vous en prie. Donc, nous avons donc épuisé l'ordre du jour et je vous souhaite à tous. Donc, la séance est levée et je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Ouais. C'est moi qui ai fait le truc.